Hard Talk. Hard Talk. Hard Talk. Bon après-midi et bienvenue à nous l'émission Hard Talk. Aujourd'hui, nous pouvons continuer donc nos débats le budget 2009 et nous pouvons surtout poser la question suivante. Est-ce qu'il y en a une alternative à la politique économique de Rama Sitanen? Est-ce qu'il y en a une autre cimé? Qui c'est qui gouvernement Alliance Sociale peut suivre depuis juillet 2005? Pour répondre à cette question-là, nous finissons vite Sanjay Jagat Singh, analyste financier, et nos ban auditeurs, bien sûr, comme à chaque mercredi, capables d'intervenir le 213-18-18. Sanjay Jagat Singh, bon après-midi et bienvenue dans le studio Top FM. Bon après-midi, Abib. Bon après-midi, ban auditeurs. Depuis décembre 2008, le gouvernement il met en place un additional stimulus package pour aider l'entreprise et surtout l'IPEDIR pour sauver l'emploi. Oui. Budget 2009, il met en cause casse là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne affaire face à la crise? Est-ce qu'il y a une autre solution pour sauver l'emploi face à la crise qui a commencé en octobre 2008 et qui, sous l'effet, commence à ressentir depuis quelque temps à Maurice? Oui. Habib, premièrement, Additional Stimulus Package, c'est qu'il est présenté dans quelques pays, par exemple l'Amérique, l'Angleterre, la France. Peut-être surtout l'Amérique, côté problème line, avec une commencée. L'Amérique, ce système financier est quasiment désintégré. Il y a beaucoup de problèmes. Sur la banque. Sur la banque, il est fermé. Sur la banque, si pas piasté l'autre la banque. Mm-hmm. Une catastrophe, quand même. Et que, comme on dit, le communisme, il attaque la citadelle du capitalisme. Oui. Et quoi, c'est la nationalisation. Et là, ban chef exécutif dans la banque, comme on dit, il commence à crier les autres comrades. Oui. Au lieu de crier les autres chef exécutif. Nous, ici, la situation est totalement différente. Par exemple, de nous disent une petite affaire. Est-ce qu'il y connaît qui nous dit la banque principale? Et ils ont fait à peu près 6 milliards de roupies profit l'année dernière. 2008. Et ça, il y a à peu près le double de ce qu'ils ont fait en 2005. Mm. Donc, nous payons ça problème, comment dire, ben asset toxique. Ban c'est pas ban mortgage ce qu'on appelle securitization. Mm-hmm. Enfin problème qu'il gagnait dans le système bancaire aux États-Unis et même en Europe. Pas gagné ici. Et pour preuve, nous ban la banque il fait ban profit record mm-hmm. en 2008. Mm-hmm. Donc situation là, il est totalement différent. Mm-hmm. Et nous par contre, ça peut-être nous pour get ça un petit peu plus tard. Et nous qui sommes dans la récession, peut-être la majorité la population, c'est-à-dire les gens pauvres avec la classe moyenne, nous sommes déjà en récession depuis 2006. Mm-hmm. Par exemple, un taux d'inflation à deux chiffres. Nous pouvons venir là et caler à nous pour cause de la réforme de Rama Sitanen. Mais là, c'est-à-dire le stimulus package. Est-ce qu'il besoin de dépenser 50 cas là? Est-ce qu'il besoin de mettre 50 cas là pour sauver l'entreprise? Est-ce qu'il vraiment besoin de sauver l'entreprise? Ok, vous connaissez. Il y a des affaires là-dedans. Premièrement, stimulus package là, c'est un document réchauffé du dernier budget. Pas budget qui fait que passer là, c'est budget juin 2008, quand Rama Sitanen annonce par exemple 6 fonds d'un milliard. OK? 6 milliards, tu 6 milliards, décembre. L'INFER, ça, 6 milliards, là, 10.4. C'est un qui appelle additional stimulus package. Additional. En décembre, tu... Mais pas si vous appelez ça additional. Additional, ça veut dire over and above. Ben oui, mais il prend 6 millions, il n'ajoute 4. Mais tu veux dire additional stimulus package, 4 milliards. Hmm. OK? Bon, ce qui nous trouvait, vous connaissez un peu de mesure qui nous trouvait grandement depuis 2005, c'est toujours du cut and paste. C'est toujours du carry forward. C'est toujours. Et là, dans le dernier budget, là, nous trouvons une nouveauté. Il peut tirer par ici, il peut avouer par là-bas. Il peut tirer par là-bas, il peut avouer par ici. Après, nous trouvons un tas de change of name. Mm. Un fonds, son nom, il peut venir
c'est pas fond A puis vin fond B, fond X puis vin fond. Bon, rien de nouveau, comment dire. Rien de nouveau, c'est tous les temps qui nous perdent. C'est l'étiquette qui nous change. Oui, étiquette, c'est pas, on connaît, comment dire, pour montrer qu'il peut faire quelque chose. D'accord. Aster, pour répondre à vos questions, est-ce qu'il y a besoin, sauf ban. L'entreprise en difficulté. L'entreprise, si tu as une équation, c'est sauf entreprise, sauf emploi. Si pas sauve l'entreprise, pas pourquoi pas sauve l'emploi. Oui. Bon. Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai parce que dans ma entreprise, oui, non, tout autre entreprise. Par exemple, dans ma entreprise qui, c'est mon entrepreneur qui a la tête sa bonne compagnie là, je tenais un bon produit et. Je tenais un bon marketing. Je tenais un bon marketing. Je n'ai pas plaigné. Grand matin tantôt. Grand matin tantôt pour déprécier roupie. J'ai envie l'intérêt. Et non, nous trouvons 4-5 dibounes, peut-être 90% t'as pas ce qu'il fait. C'est fait par 4-5 patrons qui envie dépréciation, baisse de taux d'intérêt, casser gouvernement, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est ce qu'on appelle le gouvernement mindipin. OK? À ce terme, je ne vis qu'une espèce de philosophie que je veux dire, premièrement, ben employé ne faudrait pas demander compensation salariale. Ni augmentation salaire. Parce que sinon. L'usine pour fermer, l'usine l'entreprise pour fermer. Ça, c'est le premier couplet. Le deuxième couplet, c'est donne-nous casse, sinon nous mettons 10 mounes de haut. Ça vient une chantage. Une chantage. À ce terme de qualité sans tasse, donne-nous casse, c'est moi qui avais passé, nous pas pour mettre 10 mounes de haut. Ça vient même qu'ils ont gagné, ça casse là, peine à garantir qu'ils ont pas pour mettre 10 mounes de haut. Oui. Et qu'ils t'aient également 10 mounes poil de haut. À the end of the day, je vous perdre votre job. À ce terme, finalement, un des trois, un peu plus comique, qui tous en bande comique là, se sont dit à guette ça. Nous n'avons aucun problème. C'est moi. Donne-nous casse. Pas encore nous besoin plus divant. Quoi, il y a mettre un fonds réserve. Mettre un fonds réserve pour l'avenir. Mettre un petit matelas là. Seulement, une condition. Pas dire personne qui nous prend casse et que. D'accord, ça ne dit rien. Quand on peut cause qui est dans différentes catégories patrons, différentes qualités, types d'employeurs et d'entrepreneurs, mais en même temps, ou bien d'accord, qui est dans un certain nombre d'entreprises qui réellement sont dans difficulté depuis que la crise a éclaté en octobre 2008. Souvent l'effet, ça l'année là commence à faire sentir et il y a un risque réel qui certaines entreprises là, pas pour capables de continuer et d'autres capables de fermer sous bagage de l'aide. Oui, et si d'autres fermer, du monde peut faire du travail. Oui. Moi, mon premier point, c'est qu'il nous faut faire une triage. Ça, c'est la première affaire. Mais c'est qu'il peut faire, non? Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, l'air où prend casse fonds publics, ok, ou pas capable de faire ça dans l'opacité. C'est-à-dire pas de transparence sur les diamants? Pas fini, non? Au début, depuis, je ne sais pas quand il y a une casse, supposément. Décembre, une vote sur la loi, là. Nous ne commençons qu'une. Qui compagne une casse, c'est dès que récemment. Ça aussi, quand on pose question. Là aussi, il faut dire qu'on m'a dit, tout le monde, société civile, acteur dans la vie économique du pays. Et que les citoyens commencent à poser des questions, disent, mais qui peut arriver? Quand ça va casse là, peut aller. Quand ça va casse là, peut aller, etc. Vous connaissez, get ça. Ban entreprise et une affaire qui appelle secteur mou dans l'économie. Ça, c'est un secteur qui ou pour gagner difficulté. Quelle que soit la situation ou les diamants. Non, pas quelle que soit la situation. Get ça. Chose là, si c'est là, il y a un petit peu plus complexe que ça. Get nous prendre l'hôtel, par exemple. OK? Ou bien que nous prenons la banque. State Bank et KMCB, ils ont fait presque 6 millions de profits l'année dernière. Peut-être dans 3 ans ou 5 ans, nous ne souhaitons pas capable d'arriver à faire une perte. Ce n'est pas pour une raison qui n'est arrivée, bon Dieu connaît. C'est dans le cours normal des choses, des affaires, etc. Mais première année que vous pouvez faire un profit, vous pouvez dire au gouvernement, ça, moi,